Interroge dans TPMP ce mardi 2 avril, le procureur de la République de Bourg-en-Bresse a évoqué la possibilité que l'ex-candidat de Je te le vis veuille mettre fin à ses jours. Le monde des Je te le vis est sous le choc. Christian Quesada, le champion historique des 12 coups de midi, a été mis en examen et placé en détention provisoire pour corruption de mineurs et détention et diffusion des images pédopornographiques. Une affaire sur laquelle Cyril Hanouna et les chroniqueurs de TPMP sont longuement revenus ce mardi 2 avril. Pour elle l'occasion, Christophe Roth, le procureur de la République de Bourg-en-Bresse, accepte d'en dire plus sur l'arrestation et l'incarcération de l'ancienne acolyte de Jean-Luc Reichmann. On sait ainsi que Christian Quesada a été placé à l'isolement en raison de sa notoriété, mais également de la fortune qu'il a amassée lors de sa participation aux 12 coups de midi. Un pactole qui pourrait faire de lui la cible de raquettes de la part des autres détenus. Mais ces mesures de sécurité pourraient bien ne pas être suffisantes, comme elle a laissé entendre Christophe Roth. L'emballement médiatique qui se produit autour de cette affaire est de nature non seulement à le déstabiliser, mais peut-être à le plonger dans une profonde dépression qui pourrait l'amener à avoir des gestes irréversibles, a-t-il expliqué. Et de préciser, quoi qu'il ait pu faire et quoi qu'on puisse lui reprocher, il convient quand même de se souvenir qu'il s'agit d'un homme et qu'il faut le protéger, y compris contre lui-même. Reste désormais à savoir si Christian Quesada pourra bénéficier d'une remise en liberté sous contrôle judiciaire avant son jugement. Accueil actualité en direct affaire Quesada, le témoignage hallucinant du procureur qu'il faut le protéger.